god, 2012. Ouais, mais t'es ridicule ma pauvre. Ah, il est où ton petit chapeau toi? Non mais madame a acheté un petit chapeau quoi. Pas du tout. T'es drôle, tu m'as manqué. C'est le petit de 7 ans là. Ça se voit que tu cries au fond de la table genre. Je pense que je vais cradonner. Tu connais mon intro? Non. Je fais rien, j'avoue. Ah bah voilà. Je fais la bise à la caméra. Coucou tout le monde. C'est ça. On est en 2012. Moi. Moi aussi j'ai le droit. Vas-y fais. Vas-y fais la bise. Moi. Ouais. Les gars, on est en mode swap de Noël. Ouais. C'est pas une vidéo où on se retrouve. C'est quoi? Du taf. Hein. C'est pas une c'est vidéo. Taf. Challenge ou quoi? C'est voilà, j'ai mis deux jours de ma vie là pour mais ce swap. Du taf. J'étais en mode je suis pas dispo, j'ai mon swap à faire genre. Même ma famille elle est pas autant gâtée genre. Mais j'ai pas encore fait les cadeaux de ma famille. Ma mère elle est rentrée en mode ouh dis donc. J'ai dit non. Faut savoir que moi je suis rentrée il y a deux jours de Los Angeles. On s'est pas vu depuis 3 mois. On s'est pas vu depuis 3 mois. Tu m'as manqué. Ouais toi aussi ma boule de pu. Est-ce qu'on explique le concept d'un swap pour ceux qui n'étaient pas nés? Donc vas-y parce que en vrai moi j'avoue je crois que j'en ai jamais vraiment fait. Ça veut dire échange en anglais et en gros on s'échange des cadeaux. On s'est fixé au début un nombre de cadeaux et un budget. Non c'est pas fixé un nombre de cadeaux. Donc on rappelle, attends vas-y rapproche-toi. Donc là, je vais ouvrir les cadeaux que Jules m'a offert. Mais si vous voulez voir ce que j'ai offert à Jules, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube. Il n'a pas posté depuis 2 ans. Ouais, on rouvre ma chaîne là. Mais bon, regardez d'abord cette vidéo et après. Et après, allez voir ce que j'ai offert. J'ai hâte. Bon, on est en 2024. J'ai trop la flemme. Ça fait 24 heures que je suis dans le truc. Je t'ai fait un menu sur le téléphone. T'as fait un menu digital? Mais attends, je veux que t'apprécies l'effort. J'avais acheté quand même une carte pour annoncer le sexe du bébé avec Jules. Pronostic, guys, dans les commentaires. Je suis sûr qu'ils auront un garçon. Mais pourquoi tu dis ça? Ouais je sais pas, je me suis dit baby boom, ça ah ouais, penser. Un ça petit pacha pas. Pour faire genre, tu vas lire le menu et, non, le fan, hop, et tu vas faire genre comme ça. Est-ce que tu veux lire le menu? Vas-y tu veux. Swap Maya, numéro 1, normalement tu dois faire un petit texte de début. Ouais même, j'ai pas fait. On s'aime, vas-y. Attends, pourquoi on a pas fait un petit texte? Parce que en vrai normalement un swap, genre c'est chacun chez sa mère. Là on est ensemble, ouais. Donc on se le dit en face. Ouais c'est ça. J'ai adoré faire ce swap avec toi, ouais. C'était trop sympa. Numéro 1, tu le voulais tellement. Numéro 1, des bougies ou des... Quel emballage. On commence doucement mais sûrement. Là ça se voit que c'est le premier cadeau que t'as emballé donc tu l'as fait avec amour. Après ça t'a un peu saoulé. C'est le magasin qui l'a fait. Ah oui parce qu'on s'est fait une petite wishlist quand même. Moi j'ai dit que je voulais de la déco pour mon appart. On s'est fait une wishlist de 5 trucs qu'on aimerait l'un à l'autre et moi je me suis inspiré. Quoi? C'est pas ce que tu voulais? Tu vois? Il fallait déballer. Ah! C'est pas ça que tu voulais? Mais si, c'est charmé. Mais c'est vrai qu'on dirait que... Mais c'est par thème. Mais elles sont tellement belles. Mais attends, mais c'est par thème. Non, mais tu mélanges. Ah oui, on s'en fout. Parce qu'il m'a acheté, il m'a acheté une bougie pour un baby. Genre, enfin, si tu veux faire passer un message, ouais. Je suis enceinte. Bah tu me l'as dit en soum-soum, mais il le sait pas encore. Bref, elles sont trop belles ces Maya en vrai. Elles sont extra belles. Pour vous spoiler, Maya m'a envoyé genre il y a 2 semaines. Mais elles sont jolies ces petites. Ah, c'est celle-là. Ouais, ah putain, mais j'avais pas vu les emballages. Je pensais que j'avais fait la D. Je sais pas, je me suis dit t'as pris un truc qui porte bonheur. Mais en fait, c'est marrant parce qu'il y a des thèmes. Celle-là, c'est Happy Birthday, elles sont trop belles. Ouais, mais franchement. Attends, mon appart, ça va brûler. Appart. Attends, mais t'es trop bizarre avec tes phases. Il m'achète une bougie de naissance. Mais jus. Ça arrive. Il prend m'appeler papa de son enfant. Mais t'en as pris beaucoup, frère. Bah ouais. Bah ouais, paradine celle-là. Trop content. Très, très content. On passe au. Tu vas faire 10 minutes pour un cadeau. Vas-y. On a plein. Numéro 2, je t'en ai acheté histoire 2. J'ai bien l'impression que tu as des parts dans cette société. Parce que c'est pas Sony Angel. On dirait que t'as des parts dans cette société. Merci. Non, mais... Il t'a reconnu? Parce que oui. Je lui ai dit hein, que j'ai fait un stop avec toi. Oui. Ah, parce que tu m'as acheté des trucs aussi, tu t'es fait cramer. Oh putain, mais attends, je suis trop contente. Parce que j'arrivais plus à les trouver. Oh, est-ce que je les ouvre maintenant? Dans un tic-tac? J'en ouvre un maintenant. Tu ça, c'est les petits passer, porte-clés. Ouais, j'adore. Porte-clés, t'as lesquels? J'ai rose, bleu. Ah, pff, violet. Mais t'as des parts dans cette société, ouais, c'est pas possible. Ouais, je te jure, faut qu'il me donne des parts. J'ouvre celui-là maintenant? Ok. Oh! Tu l'as déjà? Non, celui-là, je l'ai pas, le vert. Ok, cutie pie. Ah, très sympa! Je crois que c'est le seul que j'avais pas. Je m'en suis acheté un aussi. Ah ouais? Il me l'a acheté. J'adore! Ok. Pour ta crémaillère. Ah, oh, ta gueule! Pour ta crémaillère partie, ce cadeau est mon cadeau d'invitation. Putain, j'ai... Numéro 3 pour ton. Je vais... Numéro 3, pour ta crémaillère partie, ce cadeau est mon carton d'invitation. Bravo! C'est ce que je t'aurais offert si tu m'avais invité à ta crémaillère. Mais j'ai pas vu ma crémaillère encore. Ouais. Bah, donc dis pas si je t'avais. Bah tu sais, tu te projettes, mais on sait tout ce que Maya va avoir en appart. Ah, je suis gêné, je vois que tout. C'est rien. Et t'as déjà acheté. J'adore. T'as déjà? Non, je suis trop contente parce que mon mec Jules, il aime pas le fromage donc il voulait pas m'en acheter. C'est un indispensable à avoir dans son appart. C'est un must have à avoir. Comme ça, crémaillère partie, on se fait une petite raclette. Très sympa. J'adore, je voulais grave mais Jules il voulait pas m'acheter, il m'a dit c'est mort parce qu'il aime pas, il s'appuie. Ouais.
T'aimes bien la raclette? J'adore. Voilà, petite déco. Pour le moment, ça te plaît? Ouais, j'adore. Franchement, t'es fort. Numéro 4, pour un moment détente et complice, pour le meilleur et pour le pire. J'adore comment il raconte. Tu crois que ta vie, c'est un film? Ah oui, tiens, je vais lui donner ça, je l'ai pas mis dans le swap. Tiens, c'est notre tabadie. Putain, j'allais te dire, t'as acheté ça où? Ça, bah c'est qu'à Los Angeles. Genre, tu peux, sur tous les miroirs, sur tous les trucs, tu fais ça, genre. Mais j'allais te demander quand t'es à Los Angeles, je me dis, c'est quoi ça? Et en gros, genre, ça, c'est des petites ventouses et c'est ouf. Genre, tout le monde achète ça. Et du coup, je voulais t'acheter ça pour le swap, je l'ai pas mis dedans et je voulais te le donner direct. Ah, du coup, je l'avais dans le cul. Mais j'ai trop le seum parce que c'est pas une Octobody. Ah, c'est ok, j'ai compris. C'est une Octobody. Bah, je tu vois. Octonobody. Ouais, pour le meilleur et pour le pire. Tu penses que c'est quoi? Je sais pas, ça doit être une bague, non? Par contre, les paquets, ils sont faits à l'aide de tes connaissances. Hein. Ouais, mais flemme. On les voit de loin, tu les déballes en 2 secondes. Pour un moment détente et complice, pour le meilleur et pour le pire. C'est quoi? Je sais pas comment ils l'ont présenté. Y'a rien? Ah putain, mais ils ont rien mis. Ah si, si, lis, tu fais mal les choses. J'avais pas vu. Tu fais mal les choses. Je pensais qu'il m'avait offert des échantillons. Devine vite, parce que je suis gênée là. Petit massage en duo avec le Rulio. T'es fort d'avoir fait ça. C'est bien. C'est excellent. 45 minutes en duo, c'est trop bien. Ça me plaît, putain, trop. T'es sûr que c'est en duo? Non, bah, au pire, tu vas non, mais quoi qu'il, je kiffe. C'est bon, on a compris que t'étais sur ton talent. Ouais, mais j'aime bien la DA. Numéro 5, quelqu'un a un message pour toi. Doigt, point d'interrogation. Je rigole, je te mets parfois des faux espoirs. Ah non, là tu t'es dit, c'est quoi ce soir? Tu dis la dead? Tu penses que c'est un message de qui? J'aime bien, t'es fort d'avoir fait un message. Tu vois? Est-ce que tu connais, peu importe nos différences, de Morgan Makeup? C'est pour ça qu'elle m'a mis dans sa story. J'ai failli, elle t'a mis dans sa story, oui. Tu sais, j'ai failli lui demander une vidéo de Morgan Makeup. Oh, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je tenais à te souhaiter un joyeux Noël. C'est une très très belle fête. De fin d'année, j'espère que t'as bien été sage et que t'as payé. Noël te récompensera bien. Et puis, bah, félicitations hein, pour ton emménagement dans ton nouvel appartement parisien. Mon bébé. Et puis, voilà, bon courage à toi, je t'envoie plein de force. J'ai peur, j'ai cru que t'avais mis un truc en mode félicitations pour votre enfant encore. Mais bref, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Mais je t'ai pas dit Dua Lipa, prochain swap, Dua Lipa. Prochain, mais elle est trop mignonne. Et c'était quoi la caption de ça? Quelqu'un un message pour toi? Ouais, Dua, je voulais le crafter par toi, Dua, mais j'ai vu dans tes yeux que t'as bégayé. Mais tu remets le moment là et t'as fait mode. Dua, point d'interrogation. Numéro 6. Je m'amuse, j'ai pas envie que ça finisse. Comme toute bonne copine de Andy, Ella se respecte. Entre parenthèses, pour chier vert. Putain, bravo! C'est pour faire du matcha. Bravo! Ça, je sais pas si elle va kiffer par contre. Elle t'a envoyé son truc? Bah, justement, il me manquait un fouet. Ah bah voilà. On va faire abstraction de ça. Flou ton montage. Voilà. Putain, bravo! Mais t'aimes bien le matcha? J'avoue. Moi, je suis rentré dans le geek depuis un mois et demi. Mais comment t'as fait? Genre, t'as kiffé d'un coup? Juste à force d'en boire? Non, ouais, au début, Sylvain, il en prenait, je bois et tout. Et après, en fait, il faut connaître la bonne combinaison. Genre, tu rajoutes du sirop de vanille, c'est incroyable. Putain, t'es fort parce que ça se voit que tu regardes pas mes vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai fait une vidéo avec Andy où j'ai dit qu'il me faut un fouet à matcha pour pouvoir tester. Mais en fait, j'avais pas de fouet, donc j'avoue, j'ai pas vu. Ouais, je suis content que t'aies ça. Putain, bravo, t'es fort. J'ose plus regarder tes vidéos. Je regarde plus tes vidéos à cause des montages de matcha qui sont trop bien. Très sympa, ouais. Très contente, ouais. Tu vois, bravo. Pour le moment, ça on s'en fout. Très bien ta démarche. Et on est qu'au 7ème. Ça me fait peur pour la suite. Pour ton nouvel appartement, chambre, salon, salle de bain ou bien la chambre de OL? De Hotwell. Parce qu'il faut savoir que son frère, depuis que je le connais, depuis le début, je l'appelle OL. Il n'arrive pas à dire son frère, c'est énorme. C'est pour ton appart, c'est aussi un cadeau de crémaillère. Attends, ouais. C'est beau l'emballage. J'espère que je me suis pas trompé. Sympa. Très en fait, sympa. On l'a avec Sullivan et je trouve qu'elle faisait grave classe pour ton appartement. Elle est excellente. Mon frère il va m'insulter quand il va voir ça. Pourquoi? Parce que il a mis dans sa wishlist d'anniversaire une enceinte Marshall, la même, okay. La même. Et j'ai dit c'est mort, bah, j'ai dit je t'achète pas une enceinte parce que tu vas mettre ta musique genre en haut-parleur. Ouais. Mais moi j'ai le droit, c'est chez moi. Mais t'avais pas d'enceinte encore? Non. Putain. Et elle est trop belle, je te jure. Bravo, putain t'es fort, c'est chic. C'est beau pour ton appart. Très beau. Bon, en vrai celle-là c'est la petite, tu peux la donner à Hotwell. Non, t'inquiète. Et toi tu peux prendre la plus grosse. Non, je la garde. Hotwell il met pas son la musique sur mon enceinte. T'es fort ouais. J'ai mis la barre haute là. Ça me fait peur parce que là on filme ma vidéo en premier. Donc là il sait pas ce que je vais offrir. Donc ça se trouve entre les deux vidéos je vais aller acheter quelques trucs en plus. Numéro 8, c'est un peu ton animal totem. Le chat, le lapin, le koala. Ça j'avoue c'est dans la wishlist qu'elle m'a donné. J'adore, ça c'est dans ma wishlist au top. Mais guys, pour de vrai j'ai vu le truc, c'est trop beau genre. Bah là tu peux mettre une plante mais en vrai tu peux boire et tout genre. C'est énorme genre. T'imagines t'as froid l'hiver? Ouais. Ouf, tu te fais un petit chocolat chaud. C'est très toi, tu vas pouvoir faire. Très sympa, j'adore. J'adore, franchement t'es fort. T'en attendais pas autant. T'imagines pas comment j'ai cru. Elle a renversé son boisson. Bon. Un autre jour. Ouais, mais toi plus tard. Un autre moment.
Numéro 9. À défaut de pas tailler ton maillot, tu pourras tailler autre chose. Tiens, ma belle. Régale-toi, petit lézard. C'est trop bien. Genre, vraiment, j'ai vu ça. C'est en gros, genre, des plantes. Bon, déjà, elles sont connectées, mais en gros, t'as 3 trucs. Tu les prends soit, tu peux être connecté. Genre, tu as les graines et tout. Et c'est trop bien. Je sais pas si t'es trop dans ce truc. Mais c'est quoi que je fais pousser? Bah là, j'ai peur de pas savoir gérer, de pas être à la hauteur. Mais si, t'as toutes les instructions. Tu peux faire du basilic, de la menthe, du persil. Et c'est trop bien pour quand tu fais la cuisine. C'est beau, ils sont beaux les plants. Ouais. Putain, très sympa. Vas-y, je vais me mettre au vert. Je vais faire la main verte. C'est ma côté. Ouais. Non mais oui. Non mais ça va être prêt dans ma cuisine. Mais si tu sais pas faire, au pire tu laisses faire ta mère. Oui, ma mère elle va s'éclater. Non mais c'est excellent par contre, c'est très beau. C'est trop slide. C'est très grande dame. Je vais faire des petites tomates, des petites camomilles. Ah, de la lavande. Très simple, on devient des adultes hein, quand même. Ouais. Numéro 10. Si tu invites Dua Lipa à dîner chez toi, tu me remercieras plus tard. Oh. Mais c'est énorme tes trucs. Oh là là. Franchement, je sais que t'auras pas ça, mais c'est encore un truc pour ton appart. Et c'est important, tu sais, Dua Lipa, elle aime bien que ça soit servi dans de bons contextes. Oh, on savoir le vin. Chic, c'est chic. Très quand chic. T'as à dîner. T'as raison, c'est très Dua Lipa. Très Dua Lipa, si elle vient dîner chez bravo. Toi et que t'as pas ça. Mais tu sais qu'en plus, t'es le premier. Oh là là. C'est classe, hein. Oh. Je sens que tu vas le casser. Non, pour de vrai, t'aimes bien là tout ce que je t'offre. J'adore. Ça se voit, le moins que t'as aimé, c'est les plantes. Non, un peu réticente parce que j'avais planté rien. C'est pas du toi, tout, mais ça. Faut commencer. Voilà, okay. Je vais être tellement grande dame avec mes plantes et mon vin. Numéro 11, la compile de 3 pop stars. Oh. Et un, c'est moi, c'est la mienne. Comme je donne du crédit pour la sienne, oh. Celle-là, il est trop vintage, il est trop beau. J'adore. Ça peut servir de déco, c'est beau ça. J'adore. T'aurais pu enlever les prix par contre. Ouais, mais vas-y, flemme. L'autre jour, je suis dans une boutique de vinyle. Je voulais acheter celui-là, mais je me suis dit, c'est pas pour moi là les cadeaux. Je suis trop content. Et toi, t'adores Olivia Rodrigo. Ouais, moi, c'est la mienne celle-là. Et si tu l'ouvres, apparemment, elle fait gagner un ticket d'or. Vas-y, est-ce qu'on a le ticket d'or? T'imagines? Peut-être à l'intérieur. Non. Après, peut-être que c'est livré après, tu vois, une fois que tu l'as écouté. Ok, numéro 12. Je l'ai vu dans ta wishlist de lorsque tu avais 7 ans. C'est quoi? C'est une Barbie? C'est une petite joke. J'ai failli te prendre la même chose. C'est le micro de la Starac. J'adore. Bravo, putain. Et petit, je le voulais grave et je l'avais pas eu. Je sais pas quoi tu vas en faire, mais... Je vais le mettre dans mon appart. Ah ouais? C'est excellent. Excellent. J'irai au bout de mes rêves. Pas mal. Numéro 13. J'ai vu Eva Queen s'en acheter un. Je te voyais bien dedans, ma belle. Ok. Aïe. Oh. Mais sauf que je savais tellement pas quoi te prendre que je t'ai pris plein de trucs. Non mais là tu m'as acheté des culottes. Je t'ai acheté des strings, des tangas, des coucrottes. Dis donc. Attends, celui-là, si je t'ai pris à bonne taille. Attends, je t'ai... Ah merde, attends. Quoi? Mais oui, quoi? Je voulais te prendre un bas. Mais c'est pas grave. Ce que je t'ai pris comme Eva, c'est un body. Il était trop beau sur elle. Genre, c'est un body noir. Et ça se porte limite, genre en look. Ouais, en genre, tenue. C'est trop beau, genre. Trop stylé. Attends, me dis pas qu'il est en beige. Il est en beige. Dire. Putain. Mais je l'ai pris au rayon t'as noir. T'as pris en mode string. Ok, je te jure, c'est pas de ma faute. C'est de leur ça, faute. On va changer. Putain, mais arrête, je suis gêné. Il a dit, on peut le mettre en mode dehors, en mode look. Mais en plus, putain. Il est cassé. Attends, il y a des règles. Mais non. Non mais par contre c'est cassé, ils vont jamais nous laisser le rembourser. Ah putain, me dis pas que je me suis fait ken. Non mais de toute façon on a la vidéo là, en vrai. Ouais. Tu lui montres la vidéo. Des strings, des tangas, des coucrottes. T'as pris en mode string. Putain, mais arrête. Attends, il y a des règles. Mais non. Mais attends, mais ça c'est... Mais putain, mais c'est deux hauts. Y'a pas de... Un garçon qui achète de la lingerie. C'est beau. Il y avait ça ou vert? J'adore. Tu préférais vert? Non, j'adore. C'est quoi? C'est le pyjama? Ouais, par contre, c'est. La matière, elle est doux. Choquante. Ça. Faut savoir que Maya m'a mis dans sa wishlist quand même. Pyjama. Un pyjama. Ça, je vais le mettre à Noël, je vais jamais le lâcher. Très sympa. Numéro 14, pour t'asseoir sur le plus beau monument de Paris. Ok, la Tour Eiffel. Ouais. M'asseoir sur la Tour Eiffel? Ouais. Tu peux pas faire ça. Mais tu peux pas faire ça. Jules, tu peux pas faire ça. Ça n'existe pas. J'ai pensé à toi. C'est nul. Ça va. Tu sais, c'est le genre de cadeau qu'on t'offre. Soit que tu fais genre des gênés, mais tu l'utilises en soum-soum. Ok. Numéro 15, comme si on donnait pas assez d'argent. À TF1. Ça y est, abonnement, on fait des stories, on est là. C'est l'album de la Starac. Ah
J'avoue, t'aurais pu m'acheter ça. Mais tu sais qu'on l'a reçu chez Volo. Nous? Ouais. Moi aussi? Tous. On l'a tous reçu. Oh, je suis trop content. J'adore. Putain. Merci. Comme si on donnait pas genre assez d'argent à TF1. Bien, ça y est. Moi, j'ai l'abonnement à TF1 Max. Moi aussi. Pour regarder le château, toute la façade du château toute la journée. Numéro 16. T'es tellement cette influenceuse. Tu m'avais mis ça dans ta wishlist. Je trouvais ça très culotté. Enfin, très dur de ta part parce que bah, c'est quand même assez personnel. En gros, c'est une chaîne de téléphone, genre personnalisable. Et j'ai envoyé à Jules. J'ai dit, j'avoue, je trouve ça trop sympa. Et j'avais hâte de voir la compo que t'allais faire. Ouais, putain, tu m'as foutu dans la merde. C'était un défi. Mais j'ai pris rose parce que c'est toi alors qu'il y avait un rose beau. Enfin bref, c'est moche. Donc là, vraiment, t'as genre 7 ans et ça vient de Pinky. C'est très donc là, sympa. Au début, j'étais à deux, te prendre une carte cadeau. J'ai dit non, okay. Pour la vidéo, on non, monte. Non, tu t'attends. Tu te l'attends et tu retournes et tu changes tout. J'avoue, je sais pas ce que t'as tenté avec le citron là. Ouais, je sais pas, j'aimais bien. Non, mais franchement, pas mal. Peut-être je vais en changer un ou deux, mais franchement, bravo. Je trouve ça très sympa. Regarde, tu mets ça sur ton tel. Très pétasse en mode. Attends, j'ai un message. Numéro 17, c'est mon jeu préféré. On y jouera quand tu m'inviteras. Ok, tu t'es invité beaucoup chez moi. Ouais, c'est... mais franchement, ouais. Tu connais cette vidéo? Tu connais pas? C'est franchement, c'est le jeu avec tes potes, tu vas trop rigoler. Ah ouais, j'adore. Tu connais pas ce jeu? Non. J'adore les jeux de société. Très sympa. Ah, mais c'est mon jeu préféré, genre. Ah ouais? T'as 400 images et c'est celui qui en trouve le plus, genre. Ah, voilà. Ok, je crois qu'on passe au dernier. Numéro 18. Si ça sent la nounette chez toi, là au moins ça sentira la nounette de luxe. Oh! Dis donc. Parce que tu m'as demandé un parfum, mais je trouve qu'un parfum c'est vraiment très personnel. Mais parce que tu sais pourquoi je demande un parfum? Parce que je trouve que t'as des bons goûts ah, mais moi, je suis... de nez. T'as un moi je pense que c'est mon sens le plus développé. Mais du coup je me suis dit des bougies Louis Vuitton. Ah, très sympa, bravo! Et tu sais qu'ils font des bougies Louis Vuitton, mais ils les ont arrêtés. Et du coup je suis en mode ah non quoi, ils m'ont dit mais si on a un petit coffret. Et ils le trouvent, et là tout le monde dans le magasin dit je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ah ouais, t'as lancé une mode? Ah mais j'ai lancé une mode sauf qu'ils le font plus. Alors ça veut dire que si j'adore, je pourrais plus jamais les revoir. Ouais. C'est laquelle ton préf? Il a un odorat surdéveloppé, c'est choquant. Celui-là, ils sont incroyables. Ouais. T'as dit la nounette de luxe. J'adore, bravo. T'as et voilà. Merci. J'ai kiffé. Ouais. Franchement, c'est toxique les swaps. Pourquoi? C'est intense. C'est anxiogène. C'est un coup budgétaire, mais ça en vaut le détour. Ça en vaut le détour. Ce que je kiffe le plus, c'est les trucs où genre, je m'attendais pas à toi sur ce tournant. Je t'avais sous-estimé. Je me suis dit, vas-y, va rentrer Los Angeles. Ça se voit, t'as dit à Jules. Ouais. Non, franchement, non. Bon bah. Juste ça, je crois qu'il faut rendre. Donc maintenant, c'est à toi d'avoir les cadeaux. Ouais, on va ouvrir pour moi. J'ai très hâte. N'hésitez pas à les voir. Bah rendez-vous sur la chaîne de Jules pour voir ce que j'ai offert. J'ai le seum que ça finit. Ouais. Moi, j'ai pas envie de te donner les tiens. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. J'ai trop kiffé. Et on se retrouve sur la chaîne de Jules pour voir ce que j'ai offert. Et on se retrouve l'année prochaine pour un prochain sub de Noël peut-être. À l'année prochaine. Bonne année, bonne fête. Et bonne fête. Joyeux Noël.